Get it. Je suis Marco Calamonici, j'ai 19 ans. Je suis en terminale de secteur touristique à l'école d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg. Et avant, j'étais à l'art et métier dans une section ingénierie technique générale. C'est un métier très diversifié, très varié. Chaque jour est une nouvelle journée, ça ne ressemble rien à la veille. Nous avons la chance de voyager pour notre métier, donc découvrir le monde, de faire des activités, de pouvoir organiser des voyages, de travailler avec le client, mais également en arrière pour organiser les voyages et satisfaire le client. Donc c'est quelque chose de très varié qui plaît à plus d'une personne. C'est une chance de pouvoir voyager pour le métier. C'est une opportunité vraiment unique de pouvoir avoir une telle variété dans le même métier. On travaille avec le client, avec des agences, avec des hôtels. C'est un métier, mais tellement varié. Tu ne t'ennuies pas, tu as toujours quelque chose à faire. Donc, je lui conseillerais dès demain de lui dire « Allez, viens et viens dans cette école apprendre ce secteur ». Je suis entré dans ce secteur touristique dans une période difficile. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des solutions. On était tous ensemble, que ce soit les camarades, les enseignants, mais c'est ensemble, unis, qu'on a réussi à trouver des solutions. Nous avons tous réussi à trouver un stage au Luxembourg comme à l'étranger. Donc, à chaque difficulté, nous avons trouvé des solutions pour faire du mieux possible. Gravir les échelons, j'aimerais voyager, découvrir le monde. C'est tellement varié que j'aimerais découvrir un maximum. Pourquoi pas même travailler à l'étranger, ça me plairait énormément. Le fait de pouvoir parler 4-5 langues, ça nous permet de ne pas rester que dans un pays, mais aller à la découverte d'autres choses. Donc j'aimerais organiser mes propres voyages et donc dans un futur également avoir peut-être mon agence de voyage. Aucune journée n'est identique. Nous avons la possibilité d'avoir des cours théoriques dans le domaine touristique, donc comment organiser des voyages. Nous avons des cours marketing, comptabilité. Nous avons histoire, géographie, donc qui nous permettrait pour plus tard d'avoir des connaissances pour si jamais on sera au front office en contact avec les touristes, les visiteurs, pour pouvoir leur communiquer des différentes informations. Et nous pouvons travailler sur des systèmes informatiques comme GDS, donc pour organiser des voyages dans des agences de voyage. L'organisation de voyage, donc pouvoir organiser un voyage sur mesure du début à la fin et pouvoir l'exécuter par la suite. Communication, nous l'avons en 3 langues, français, allemand et anglais. Donc cela nous permettra pour plus tard de communiquer et d'envoyer des lettres aux clients dans les différentes langues. Et histoire, géographie, également des matières qui me plaisent énormément pour avoir une bonne connaissance. J'aimerais organiser mon propre programme, pouvoir réaliser mes voyages, pouvoir toucher un peu à tout. C'est un secteur tellement vaste, j'aimerais pouvoir travailler au front office avec le client, mais au back office, organiser les voyages, avoir ma propre agence un jour. Ça serait vraiment un rêve qui se réalisera.